Ma fille avait reçu pour Noël une poupée Barbie avec de longs cheveux blancs et un petit peigne rose pour le coiffer. Cadeau de la grand-mère maternelle. Elle adorait ce petit peigne. Elle peignait Grisouille, notre vieux chat édenté. Elle peignait Bandite, notre chienne. Elle peignait ses peluches. Et par-dessus tout, elle adorait me peigner. Elle attendait que je m'installe dans le canapé gris du salon et que j'allume le journal télévisé. Et elle venait me demander avec sa petite voix « Je peux te coiffer, papa, s'il te plaît ? Tu vas voir comme tu vas être beau après. » Elle savait que je dirais oui. Alors elle est grimpée sur mes épaules, installée ses fesses sur le dossier, commençait la séance. Au début, elle allait tout doucement, et ses petits doigts touchaient délicatement mes cheveux, sur la nuque ou le front. C'était assez agréable. Mais elle avait sa méthode bien à elle, et assez rapidement, le moment de détente se transformait en tortue. Torture, pas. Elle enfonçait son tout petit peigne jusqu'au cuir chevelu en tournicotant les cheveux autour, puis elle tirait d'un coup sec pour dégager son jouet et recommencer avec une autre mèche. Je crie « Aïe, aïe !» et sérieusement de sa voix la plus douce, mais aussi la plus ferme, Elle répondait invariablement « Tais-toi, bébé, ça me fait pas mal. » Et ça me faisait tellement rire, parfois jusqu'aux larmes, que je n'arrivais même plus à lui dire d'arrêter, alors qu'elle m'arrachait, elle m'arrachait la moitié des cheveux.